Eh bien voilà, ça y est, l'E3 2010 vient juste de fermer ses portes. Raon, Emeric, qu'avez-vous pensé du salon alors que nous sommes à quelques minutes du match décisif de Boston contre les Lakers ici au Staples Center? Tu nous montres un peu, Cédric? Juste derrière, c'est le Staples! Regardez, il y a les flics qui sont là, tout le monde est prêt, tout le monde est chaud bouillant. Chaque année, l'E3, vous le savez, ça se passe toujours au moment des grandes finales de la NBA. Eh bien là, une année de plus, bah les Lakers sont présents. Alors allez, ça revient. On revient sur le jeu vidéo, messieurs. Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole sur les choses qui ont marqué? Il a dit le premier. Emeric. Bah moi, c'est la Nintendo 3DS, hein, y a pas photo. J'en sors, je viens de l'avoir, je l'ai eu entre les mains. L'effet est juste incroyable. Il coupe sur le pied à Sony. Pour moi, c'est excellent. Et le fait d'ajuster la 3D, c'est ça qui est fantastique, je trouve. Tu peux amoindrir l'effet. Et donc, du coup, bah moi, par exemple, j'ai un décalage à l'œil, tu vois. Et des fois, mon œil, il décroche. Et bah là, ça me sauve. J'ajuste en fait l'effet 3D et je suis sauvé. Voilà. Donc, je trouve ça génial. Pour moi, il y a ça. Et Vanquish. Vanquish, le jeu de Mikami. Voilà, le TPS de Mikami, parce que le TPS sont très à la mode. Mais celui-là, il va deux fois plus vite que ses concurrents. Une vraie patate, des bonnes idées. Enfin, moi, c'est les deux trucs que j'ai vraiment adoré. D'accord, la 3DS et Vanquish, et toi, Aaron? Bon, la 3DS, évidemment, hein, mais on va pas en faire des tonnes dessus. C'est peut-être le clou du salon. Moi, j'ai pu voir Portal 2 aussi, qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est peut-être le seul jeu de tout le salon qui m'a fait marrer, tellement c'est bien écrit. Pourquoi marrer? Ben, parce qu'il y a des vannes, parce que c'est drôle, parce que c'est pas le même ton. C'est pas seulement du tétapoum qui se prend très au sérieux, ou du post-apocalyptique, genre où c'est au secours. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir déjà un Portal 2, hein, quand même, qui était très attendu. Et puis, de voir qu'il a été particulièrement ciselé. Il y a énormément de nouvelles choses. On a vu tellement de jeux, en fait, dont on n'a pas eu le temps de tourner des impressions. Donc, on vous les fera à l'écrit. Hein. Mais il y a énormément d'autres trucs. Beaucoup de shooters. Donc, c'est un petit peu pénible dans l'ensemble. Mais il y a aussi, du côté du line-up de Nintendo, j'ai trouvé Kirby magnifique visuellement. Vraiment. Ça fait même pas oui, parce que tu as presque l'impression, comme c'est de la 2D, tu as l'impression que c'est une plus haute résolution. Donc, c'est vraiment propre. Qu'est-ce que j'ai vu de bien encore? XCOM aussi, qui est assez convaincant. Alors là, pour le coup, c'est un FPS, mais avec des éléments stratégie qui sont escapés du début de la série. Et puis, c'est les années 50, c'est pas du tout la même ambiance. Et c'est l'équipe de 2K Marine, donc ils savent un peu bien raconter des histoires, parce qu'ils ont quand même fait Bioshock. Donc, pas mal de trucs hein, quand même. Et toi? Ah ben moi, personnellement, je dirais que c'est un salon de l'E3 où il n'y a pas eu énormément de surprises. Si on attendait ça, si pour vous, l'E3, c'est forcément les surprises, forcément, on sort un petit peu déçu. Néanmoins, moi, c'est pas ce que je retiendrai. Moi, ce que je retiendrai, c'est la qualité globale qui est vraiment très élevée. On a vu énormément de jeux qui ont un potentiel énormissime. Alors oui, il nous manque le jeu du salon, moi, je trouve, celui qui sort véritablement du lot. Et pourtant, on pourrait en citer plein. Je suis totalement d'accord avec toi sur le Kirby. Moi aussi, il m'a mis une grosse claque, alors que Kirby, personnellement, j'ai aucun affect avec cette petite boule rose. Mais là, le voir comme ça, en une espèce de tissu, avec des petites idées de gameplay bien vues, forcément, coup de cœur. La 3DS, on va pas en rajouter, hein. Véritablement, on a été bluffé par cet effet 3D relief qui est saisissant. Et puis moi, je retiendrai aussi Assassin's Creed Brotherhood, mine de rien. Assassin's Creed Brotherhood qui est quand même très complet avec ce fameux BAM effect qui, à mon avis, va faire rêver quand même tous les fans des Assassin's Creed, bien évidemment. Metal Gear, pourquoi j'en parle? Parce que je viens de le voir il y a quelques minutes, enfin quelques heures maintenant sur 3DS, de la version Snake Eater refaite pour la 3DS, et très honnêtement, il est plus beau que sur PlayStation 2, avec le visage de Z-Boss dans la scène avec les pétales, les fleurs, et c'est magnifique, c'est confondant. Ainsi que le Resident Evil aussi, Revelations sur Nintendo 3DS, qui est de la qualité quasiment de Resident Evil 5, dont la seule et unique qualité était justement les graphismes, donc c'est plutôt un bon signe. Une grosse tendance aussi cette année, c'est quand même les tueries, la mort, etc. J'en ai à l'appel, mais alors vraiment, vraiment à l'appel. Alors comme tu dis, c'est vrai que la qualité des jeux est bien, il n'y a pas... C'est un très bon niveau de 3, par contre il n'y a rien d'innovant et c'est vraiment orienté sur la mort, la tuerie, etc. Avec le Gun Club dont j'ai pris en photo, c'est effrayant ce truc-là. Le Gun Club d'Electronic Arts. On en a oublié un quand même qui est Deus Ex 3. Moi vraiment ça m'a convaincu ce qu'ils ont montré, on a une belle interview aussi à vous donner des créateurs du jeu qui sont montréalais, donc en plus ils parlent français, ils parlent québécois quoi. Mais vraiment, moi c'est mes deux jeux du salon, en tous les cas ça sera Deus Ex 3 et Portal 2 je pense. Mais effectivement comme vous le disiez, je suis super d'accord, il y a vraiment beaucoup de tatapoum et une qualité globale très élevée, ce qui fait que moi j'ai pas vu de daube, tu vois. J'ai pas vu de truc où tu te dis tout de suite, oh, c'est une grosse merde, voilà. J'en ai pas vu. Peut-être qu'on a eu de la chance, peut-être qu'on a zappé des jeux en fait, qu'on a bien fait de zapper sans le savoir. Mais en tous les cas, bon, on va pas s'ennuyer, ça c'est certain. Juste un petit point aussi pour moi sur Civilization 5, c'est un style un petit peu particulier, d'habitude dont on parle finalement assez peu. Donc un jeu stratégique on pensait pas qu'ils arriveraient à faire quelque chose de neuf vraiment après Civilization 4, et pourtant, c'est vraiment bien. Allez, c'était clairement en tout cas, Emeric, pour conclure, un salon de qualité, moins excitant finalement que celui de l'année dernière, moins émoustillant au niveau des annonces, des surprises, parce que finalement la vraie grosse annonce c'est la Nintendo 3DS, mais on la connaissait, sauf que là on a vu l'impact. Le PlayStation Move on connaissait, et Kinect,
on connaissait, bon pas le nom, mais il valait mieux pas le connaître quelque part. Mais voilà, Kinect, PS Move, on conclut aussi rapidement un petit peu. Moi j'ai l'impression que c'est un peu le no buzz hein, pour les deux. C'est-à-dire Kinect, les gens en ont très vite plus du tout parlé. Le PlayStation Move, pas beaucoup non plus. Et que c'est vraiment, ça a basculé sur la Nintendo 3DS une fois de plus. Nintendo style jeu chaud comme on a dit. Bah moi j'ai testé le PlayStation Move et c'est vrai que j'ai trouvé ça super efficace. Ah pour oui. Moi ça fonctionne très très bien et c'est vrai que ça apporte quelque chose par rapport à la Wii. Donc du coup c'est un petit peu l'inverse quand on voit Microsoft qui eux pour moi sont un petit peu en arrière. Même si apparemment avant tu me disais que t'avais des trucs intéressants sur le Kinect. Il y avait moyen de faire des choses intéressantes. Globalement dans le line-up Microsoft. C'est pas très 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 intéressant. Enfin, en tous les cas, c'est amusant, hein. C'est du jeu familial encore une fois, machin, mais c'est très simple. Ça va pas chercher très très loin en termes de mécanique de jeu, vraiment avec ton corps en l'occurrence. Donc, c'est pas non plus énorme. Sorry, c'est le direct, hein. C'est la fête. Ouais, il y avait une blonde dans le tas, hein. On peut pas faire. Mais moche. Oui, peut-être qu'ils le verront pas. En tous les cas, ouais, donc Kinect, ça viendra des éditeurs tiers parce qu'il y a quand même des projets intéressants, notamment chez Ubi et chez Harmonix qui nous fait le jeu de danse. Donc bon, on verra ça plus tard, mais effectivement, ouais, les motion controllers, c'est pas... Il y avait la 3DS, quoi, voilà, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Moi, j'ai vu aussi un écran plus grand qui utilise le même système. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive très bientôt aussi, hein. C'est donc de l'autostéréoscopie, il n'y a pas besoin de lunettes. Ce qui fait que tous les jeux en 3D, par exemple sur PlayStation 3, donc vous avez vu la conférence Sony, c'était vachement axé là-dessus. Il n'y aura pas forcément besoin d'avoir des lunettes, donc n'achetez pas d'écran en 3D qui marche avec des lunettes. Attendez d'avoir que les écrans autostéréoscopiques sortent, parce que ça marche aussi comme ça, et l'effet commence à être assez saisissant, et c'est pour tout bientôt, c'est l'année prochaine. Allez, vous avez pu découvrir en avant-première le futur du jeu vidéo sur Gameblog.fr. Il y a plein de Gameblog TV encore qui ont été tournés et qui vont être diffusés dans les jours à venir, parce que pour la petite histoire, très honnêtement, on a eu des gros problèmes d'internet à notre hôtel, mine de rien, même si Mimi, Kraor et tout le monde ont veillé tard. Et bah ça allait pas bien vite, donc il y a encore plein de choses à vous livrer, des belles interviews, du Warren Spector, du Deus Ex, Fantasy 14 en interview, Marvel vs Capcom 3 en interview aussi, le producteur. Donc, plein de belles choses encore à découvrir sur Gameblog.fr, nous on se quitte, merci à vous d'avoir suivi le 3 2010 sur Gameblog.fr, de Paris à Los Angeles, go Lakers, à l'année prochaine, et à la semaine prochaine sur Gameblog.fr pour le reste de l'actualité des news et tout ça. Ciao.